Ah, le soir, ces sacrifices. J'espère que ça va pas trop bien. Surtout qu'aujourd'hui, on est ensemble pour se détester. Ah, ben, ça fait quelques années que toi et moi, on est ensemble sur cette chaîne à parler de groupes en tout genre. Eh bien là, on va parler des groupes qui fâchent. On va parler des groupes qui fâchent, facho, facho, facho. Non, ne t'inquiète pas. Pas trop. Peut-être qu'il y a des raisons différentes pour qu'un groupe n'ait pas trop le droit d'être dans notre bouche. Quand on te dit qu'est-ce que tu écoutes comme groupe de black metal, il y en a certains. On aime bien peut-être, mais on n'ose pas le dire. On se dit, oh là là, on va se faire bannir de nos amis. Alors lesquels et pourquoi restent ici pour en parler avec sacrifice? Pareil que derrière. Derrière, derrière, derrière. Fais toujours attention à ce qu'il y a derrière toi, même si c'est des gens que tu crois bien connaître. Car le premier groupe dont on va parler ici, groupe interdit, il a eu des déboires tellement ridicules que malgré le succès de son premier album, on n'ose plus dire qu'on l'aime. Il s'appelle Batushka. Tu connais Batushka, hein? Énorme succès. En 2015. En fait, il faut raconter un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Batushka explose ainsi? À la base, il y a un membre qui s'appelle Christophe. Mémorise bien, hein, je le prononce à la française, c'est plus facile. Christophe, guitariste et compositeur. Pour son groupe Batushka, il a engagé un chanteur. Lui, il s'appelle Bartlomiech. Tu suis? Et donc, ils ont sorti l'album. Quelques années après le premier album, c'était vers 2018, Christophe, il a dit, bon, je vais me débarrasser du chanteur parce qu'il essaye de faire son petit coup d'État. Sauf que malheureusement, Christophe, c'était trop tard pour toi, puisque le chanteur en question, de son côté aussi, a fait la même chose. Il a dit, oh bah, le membre fondateur ne fait plus partie du groupe, il est parti. Oh, enfin, il est parti. Il est parti parce qu'on l'a poussé, voilà. Et donc, de chaque côté, il y a la petite bagarre qui a commencé. Le membre fondateur et puis le chanteur. On dit, non, c'est mon groupe, c'est mon groupe. Sauf que le chanteur, il avait gardé les accès aux réseaux sociaux et donc il pouvait mieux communiquer. Le pauvre petit membre, lui, s'est retrouvé un peu isolé. Oh, et ben ça finit justice. Justice, justice, on va faire le procès. Et ça, dans le black metal, faire des procès pour le public, ça passe pas. Ça fait le couac-couac. Et pourtant, chacun de son côté a continué Batushka. C'est le groupe du chanteur, donc celui qui a en quelque sorte volé le groupe, qui finalement sort le plus de choses, hein, qui a des bons labels en plus, qui a une bonne promotion. Ah, mais pourtant, bah, pour les lives, il y a souvent de grosses critiques. Ça passe pas très bien. Alors, quelle que soit la qualité des albums, de la musique, le coup du procès, le coup du traître, tout ça a un petit peu tué la crédibilité. Et pour le fan, c'est la même chose. Si le groupe n'a plus de crédibilité, le fan a l'impression de ne plus en avoir et il ne dit pas j'apprécie Batushka. C'est dommage, hein? Assumons d'être des kékés qui aimons Batushka. Tiens, écoute un extrait de ce groupe interdit. Ah, il faut pas l'aimer, il faut pas l'aimer. Mais on peut l'écouter, tu l'écoutes tout seul, sans le dire. Yeah.
peut servir, ça peut servir. On ne sait jamais. Attention, on est en train de parler des groupes qu'il ne faut pas écouter ou en quelque sorte qu'il ne faut pas avouer écouter. Et le deuxième, qui a été mis à l'écart par une grosse frange du public, s'appelle Féminas Ghoul. Ah non? Et pourtant, son album sorti en 2020 est très bon. Pourquoi alors? Pourquoi on a beaucoup de gens qui disent non, non, il faut pas écouter Féminas Ghoul? Eh bien, son nom, c'est un énorme indice, hein. Ce sont les thématiques du groupe qui déplaisent énormément. Ça fait fuir les hommes forts. Tu es un homme fort. Oui, bah lâche un petit peu ton kiki là. Pourquoi tu écoutes Sacrifice et tu tiens ton kiki comme ça tout fort? Lâche-le. Tu n'en as pas besoin pour l'instant. Hein. N'a pas besoin, je te dis. On verra après la vidéo, regain. Est-ce que ça passera? Tu crois que ça passe? Bon, si ça passe pas, tu m'en feras profiter par là. Hein, j'ai pas d'autres entrées. Non, là, entrée, on a dit tout à l'heure derrière que Sacrifice fait très attention. Féminas Ghoul, ça fait peur. Oh là 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 là. Des femmes américaines qui parlent de Tolkien. Non, c'est pas ça le problème, tu as bien compris. Même si ça parle effectivement de Tolkien, hein, c'est un groupe qui a plusieurs thématiques. Tolkien, d'où le nom Nazgûl, mais c'est le début Féminaz qui vient de Féminazi. Ah oui, un groupe qui a ses thématiques aussi bien féminisme que Tolkien. C'est mélangé, ça te semble pas logique du tout. C'est pas grave, tu dis toujours l'important c'est la musique. L'important c'est la musique. L'important c'est la musique. L'important c'est la musique. Et ben voilà, c'est pareil avec Féminas Ghoul. Tu veux écouter un petit peu? Tu dis pas. Il faut pas dire que tu as écouté. Et si tu écoutes, tu dis pas que c'est à cause de sacrifice. Rien à voir là-dedans, le sacrifice. Il y a mon petit sac. Le petit sac de sacrifice. Ah bah, on parle des choses interdites. Eh bah, le sac de sacrifice, il est adorable. Ah là, c'est mon petit sac pour faire mes courses quand je sors dehors. Je mets tout là-dedans. Voilà. C'est secret. Tu sauras pas ce qu'il y a dans mon petit sac. Voilà. Je l'aime beaucoup. Quoi, ça colle pas avec le black metal? Hein? Aujourd'hui, c'est le thème. Il y a des groupes qu'on refuse parce qu'ils ont des déboires. Il y en a d'autres qu'on refuse à cause de leur thématique. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qu'on refuse parce qu'ils mélangent des choses qu'on n'apprécie pas nécessairement. On se dit non, ça ne va pas du tout, black metal et ça. Question de valeur. Ouais. Là, il y a un groupe qui s'appelle Oulatsaki Doji. Je ne sais pas comment ils veulent qu'on le prononce, Oulatsaki Doji, peut-être. Il a commencé en fait dans les années 90. Hein. Il faisait du grindcore. Grindcore, oui, on n'est pas du tout concerné. Et puis finalement, en 2015, il a changé. Il a mélangé le black metal et le hip-hop à casquette. Pas seulement dans sa musique, mais également dans son visuel. C'est-à-dire des corpse paint et puis des jogging Adidas. C'est terrible.
Terrible, terrible, terrible. Ah, bah, mais c'est la thématique, donc papa, il n'a pas le choix. Non, papa, c'est sacrifice. On peut dire ça. Sacrifice, t'es vieux, tout ça. Donc j'ai décidé qu'on dirait papa de temps en temps maintenant. Papa, 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 pourquoi t'es tout nu, papa? Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Papa, eh ben, il est en train de présenter Oula Tsakidoji à tout le monde, hein, pour qu'ils comprennent à quoi ça ressemble. Mais il y a même du visuel dans la vidéo, oui. On va regarder ça. J'ai l'impression que j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais bon. On a compris quand même, ça va? Bon, alors on y va. Déboire, pas bien. Thématique, oh non, pas bien non plus celle-ci. Mélange incongru, ça ne va pas, on rejette. C'est parfois pourtant une thématique très propre également, qui peut être problématique pour certains. Ça, c'est à cause des codes en fait. Il y a certains codes qui sont forts, qu'on essaye de casser et finalement, ben, ça passe pas auprès du public. Il y a ce qu'on appelle, tu sais, les formations un-black, celles qui ont décidé de se donner à Dieu. Dieu, prends-moi, Dieu, reviens, Dieu, sois avec moi. Non, non. Ben, pour certains, c'est pas possible. Hein. Il y a un public, non, et non, c'est pas fait pour ça, le black metal. Il faut que ce soit des odes à Satan. Prout. Parler de nazis, ça va, parler des bébés morts, ça va, mais parler des animaux qu'on va enculer toute la soirée, ça va. C'est bien ça. Moi j'aime quoi comme animal? Qu'est-ce que tu voudrais essayer? Moi je voudrais essayer le chat. Oh, parce qu'il y avait la chanson. Trou du cul du chat, l'habitat papa. Ça existe ça, non? Ok. Non, reviens, reviens, sacrifice, tu pars encore sur autre chose. Tu disais que le unblack, c'est pas bien. Le unblack, oui, le black metal qui est destiné à Dieu, ça existe. Par exemple, il y a un groupe français qui s'appelle Démonicidus en 2020, l'a sorti, le morceau. Torrent d'amour. C'est du black metal et ça s'appelle Torrent d'amour. Et ça dit, viens Seigneur, viens nous envahir de ton amour infiniment grand, car c'est le cri de nos cœurs qui résonne au plus profond de nos êtres, comme des torrents que tu répands.
telle est ta miséricorde et ton sang précieux qui nous protège du diable et de ses sortilèges. Quand tu écoutes du black metal, t'as pas envie de dire que tu écoutes du unblack parce que tu penses aussi qu'on va pas te prendre au sérieux. On te dit, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas l'essence du black metal. Et pourtant, c'est prendre à contre-pied. Donc, quelque part, c'est casser le code. Donc, sacrifice est mitigé. Tiens, écoute ce que ça donne, ce groupe français. Ah non, il faut pas faire ça, il faut, écoute ce que ça donne. Amen. Nous envahir de ton amour, en finir vos bras. Car c'est le cri de nos cœurs qui résonne, on plus profond de nos âmes. Yeah, yeah, passion, yeah, yeah, passion, yeah, yeah, passion. On a fait le tour? Non? Pas fait le tour? Il y a encore des groupes? Bah, bien sûr, il y en a beaucoup qu'on n'ose pas dire qu'on apprécie. Ça peut être par exemple Cradle of Filth, hein, ou Dimmu Borgir. Il y a des choses comme ça. Et puis, je voudrais juste qu'on termine un petit peu avec un groupe qui est parvenu à se faire détester de pratiquement tout le monde. Et donc, beaucoup n'en parlent même plus. Et malgré un album sorti en 2022, récemment, qui est peut-être bien l'un de leurs meilleurs, même si le précédent était bien haut également. Et vous le savez, c'est un groupe avec Redmar. Tu sais. Oui, il s'agit de Bez Ma H. Il fallait pas dire. On n'a pas le droit. Faut pas dire Bez Ma H. Pourtant, écoute, c'est pas mal du tout, hein.